وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. L'imam al-Albani rahimahullah, la première fois où il s'est intéressé au hadith, il était réparateur de montres. Il a lu un magazine islamique qui était distribué en Syrie à l'époque ou qui était vendu en Syrie. Et il a lu qu'il y avait un al-Hafidh al-Iraqi, c'est un muhaddith, il a fait une vérification de livre d'Abu Hamid al-Ghazali, Ihya ul-Muddin. Il y a beaucoup d'ahadiths inventés et faux dedans. Donc il a fait une vérification. Et lui, il ne connaissait pas cette science, Cheikh al-Albani. Lui, il avait appris avec son père le Coran, le madhhab Hanafi, quelques bases de la religion, comme les Albanais à l'époque, ils apprenaient. Son père d'Albanie, ils ont fait l'égir parce que c'était le communisme qui s'est installé, ils se sont sauvés en Syrie. Al-Muhim, jamais de sa vie, il avait entendu parler de la science du hadith. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il a lu ça, ça lui a plu. Il a dit, ah bon, il y a des gens qui vérifie les hadiths et qui donne des commentaires dessus. Il a été pour acheter le livre, il n'avait pas d'argent pour acheter le livre. Takhrij al-Ihya. Il l'a emprunté, il l'a recopié en entier à la main. Chaque mot qu'il ne comprenait pas dessus, il a été cherché dans les livres de hadiths et il a fait des ta'liqat, il a fait des annotations. Première fois qu'il s'est intéressé au hadith, il a écrit un livre sur le hadith. Il a écrit un livre sur la science du hadith la première fois qu'il ouvre, qu'il s'intéresse au hadith. Regardez pour atteindre un livre comment il a fait. Et je vous raconte pas combien de temps il a mis pour trouver une nusra pour la copier. Il a cherché, lui ont dirigé vers des gens. À la fin, il a trouvé un exemplaire et il l'a recopié en entier à la main. Parce qu'il devait le rendre à la personne.